On va voir si on est une équipe de handball. Allez, un petit joueur, allez. Allez, quatre sur le bouclier, on connaît, hein. S'aimer, et là il faut qu'on progresse là-dessus, impressionnant, ça c'est sûr et certain, il faut s'aimer. Donc là vous prouvez que vous êtes capable de vous dépasser les uns pour les autres, il faut que ça soit comme ça, 80 minutes, à rien lâcher, à s'encourager, on continue comme ça, c'est très bien. Allez, regardez bien ce qui est autour de vous, parce qu'il n'y a que vous sur le terrain pour rien faire, nous. Vous vous donnez les consignes, c'est tout. Pour la garder, il faut être tous capables de sacrifier les uns pour les autres pendant 80 minutes. Gardez cet état d'esprit que vous avez. Gardez-le. Regardez-vous tous. Dites-moi, est-ce qu'il y en a un qui va tricher aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un qui va tricher aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un qui va abandonner tout le monde aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un qui va dire non, j'ai trop peur? Est-ce qu'il y en a un qui doute aujourd'hui qu'on va gagner? Est-ce qu'il y en a un qui doute là? Moi, avec vous tous, j'ai peur personne, les gars. De personne. Et je vous ferai certainement pas insulter l'équipe de handball ou je sais pas quoi. Pas chez moi. Ça fait des années qu'on joue tous ensemble, mais sur le terrain ça se voit pas. En dehors du terrain, on pourrait se tuer les uns pour les autres. Pourquoi sur le terrain on n'en est pas capable? Aujourd'hui les gars, on sort tout ce qu'on a. On sort tout ce qu'on a. Il y a des remplaçants, on peut rentrer, on peut sortir. Les gars, on n'a pas le droit de tricher. Pas le droit de tricher. Ok? Juste ça. On s'abandonne pas en dehors, on s'abandonnera pas sur le terrain, les gars. Si on fait ça, pour coupe à bourre, ça va tout s'envoler les mecs. C'est tout dans la tête, quand vous en voulez, vous êtes capables. Allez, on peut. Allez, on peut. Allez, on jouer ici. Hein. On mérite qu'on nous mette des enceintes, qu'on nous mette des écrans, qu'on nous mette des merdières. Pour l'instant, on mérite rien. Une victoire à la maison, c'est tout ce qu'on a fait. Hein. Pourtant, on est capable, les mecs. Rien lâché, même si au départ on a été un peu appuyé, on a été mené au sort. Mais de toute façon, il faut garder cette équipe. C'est très très bien les gars, je suis fier de vous. Bravo. Bravo.